Zola, lui en poésie, Baudelaire, Nerval et Rimbaud. Et après cela, bon, par rapport aux auteurs contemporains, bien sûr, Le Blésiot, qui est proche de notre univers et que j'aime beaucoup. Quelques auteurs antillais, Patrick Chamoiseau, par exemple. Et puis, j'essaie de lire tout ce qui se publie régulièrement chaque année. Et des lectures dans lesquelles je me retrouve moi-même, où je retrouve mon univers. Je retrouve également la question identitaire, la question de l'insularité. En fait, ce sont des lectures qui vont un peu dans tous les sens. Une lecture à la recherche d'elle-même, à la recherche d'autres regards qu'on porte sur le monde d'une façon générale. Et aussi des lectures qui m'apportent beaucoup au niveau, si je puis dire, d'une quête de l'écriture, d'une recherche au niveau de l'écriture, comme il fut un temps, par exemple, chez Marguerite Duras. Moi, je suis né dans une petite ville de La Réunion, à Sainte-Marie, dans l'Est. Et moi, ce qui a toujours marqué mon enfance jusqu'à maintenant, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans mon roman mi-fiction, mi-autobiographique, L'empreinte française, c'est toutes les journées qu'on a passées avec les petits camarades à la rivière, à la cascade, au milieu de champs de canne, au milieu de la forêt, des vergers. Et vraiment une enfance plongée dans la nature, une nature tout à fait sauvage, en totale liberté également. Et je crois que cette enfance vécue à la campagne est restée en moi jusqu'à maintenant. Et c'est là où je puise de nouvelles ressources pour pouvoir continuer le chemin et continuer à écrire également cette île de La Réunion. Bien sûr, avec de belles pages du passé, mais aussi une île de La Réunion ouverte sur le présent, ouverte sur l'avenir. Et il est vrai que j'ai besoin souvent d'aller rechercher ces coins de ma ville natale, ces champs de canne, ces forêts, ces rivières, ces cascades, ces jeux également avec mes camarades de l'époque. Et en fait, je me rends compte que je me nourris beaucoup de ces souvenirs-là. Et la mémoire de ce temps-là, de ce temps du quartier d'autrefois, avec les cases bois sous tôle, les murs en torchis, pas de télévision, pas de radio, pas de journaux. En fait, on s'est retrouvé finalement presque seul en face de soi-même, à méditer, à réfléchir, à inventer de nouvelles façons de se cultiver, de jouer également, de construire le temps, le temps qu'on avait à cette époque-là. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui qu'en se construisant de cette façon-là, à l'intérieur même de son quartier, dans une certaine pauvreté également, eh bien, c'est l'homme qui se construit en même temps. La petite enfance, pour moi, c'est sacré, tout simplement parce qu'à l'âge de 6 mois, j'ai été abandonné par ma mère. Et donc, j'ai été recueilli par ma grand-mère. Et en fait, j'ai grandi, vécu avec mes grands-parents pendant longtemps. Je n'ai pas une image constructive de la mère, mais une image très positive et très bénéfique de la grand-mère qui m'a pris sous son aile très tôt, qui m'a donné tout son amour, toute son affection, toute sa tendresse. Et aujourd'hui encore, je me rends compte en fait que dans l'image de toutes les femmes que je rencontre, eh bien, je retrouve l'image de tendresse de ma grand-mère. C'était un moment très fort dans ma vie. Et je crois que c'est elle en fait qui, à travers la tendresse qu'elle m'a donnée, m'a permis en fait de me construire enfant, puis adolescent,
Et si j'ai plus ou moins réussi à l'école, c'est parce que je voulais avoir de bonnes notes, avoir des diplômes pour faire plaisir à ma grand-mère. Et donc toute mon action, toutes mes idées, tous mes projets, c'était en fait un hommage, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, un hommage que je rendais à chaque fois à ma grand-mère. Elle, la motivation profonde de toutes mes actions, et également, j'allais dire, la raison de vivre également, de se battre et de développer en même temps une action de solidarité aujourd'hui à l'égard des autres. Eh bien, toute cette action que je développe aujourd'hui prenne leur source dans la petite enfance, très riche sur le plan affectif, même si, encore une fois, je me répète, ça a été une certaine pauvreté sur le plan matériel, mais au niveau du cœur, je n'ai manqué de rien. Et aujourd'hui encore, pour moi, ça a été un enrichissement extraordinaire que la bonté du cœur, que la générosité, que la solidarité. Alors, question délicate en ce qui concerne mon œuvre. Je ne sais pas déjà si on peut parler d'une œuvre, mais j'essaie de la construire depuis une trentaine d'années déjà, ouvrage après ouvrage. Tout d'abord, j'ai commencé par de la poésie, et puis très tôt, je me suis orienté vers le récit, puis le roman. Et j'ai fait quelques essais également, et depuis une dizaine d'années, disons que en ce qui concerne mon œuvre même, je me consacre essentiellement au roman. Ce qui m'intéresse en fait à travers le roman, c'est la possibilité de mettre en scène des personnages qui sont typiques de l'île de la Réunion, et puis des personnages qui ont appartenu également à l'histoire de la Réunion, donc qui ont construit ce pays année après année, siècle après siècle. Et d'autant plus que même si le système éducatif est assez développé à la Réunion, c'est un système éducatif qui prend en charge jusqu'à maintenant l'histoire de la France, l'histoire de la Gaule et des Gaulois, mais consacre très peu de temps à l'histoire même de la Réunion et des Réunionnais. Ce qui fait que, en fait, les écrivains de la Réunion, comme moi et bien d'autres, ont en quelque sorte une certaine mission, celle qui consiste à faire découvrir aux Réunionnais leur propre histoire et à sauvegarder en même temps à travers des textes romanesques ou des romans à caractère historique, à sauvegarder la mémoire même de la Réunion et des Réunionnais. Donc on se rend bien compte que notre objectif n'est pas uniquement d'écrire, mais d'écrire aussi pour l'autre. Non pas seulement de décrire, de faire la description, mais d'analyser en même temps ce qui s'est passé durant ces trois siècles d'histoire, et à partir de cette analyse, proposer à travers le discours des personnages romanesques quel pourrait être demain un avenir pour la Réunion, et comment construire cet avenir ensemble pour mieux vivre ensemble. Car il est vrai qu'on parle ici comme des Antilles d'une île paradisiaque. C'est vrai que nous avons de très beaux paysages, nous avons de très belles montagnes, l'île est magnifique, mais c'est vrai aussi que nous avons de très graves problèmes au niveau du système éducatif, avec plus de 120 000 illettrés, au niveau du chômage, au niveau des exclus de la société, au niveau de la quête identitaire, au niveau de la reconnaissance du Réunionnais dans sa culture et dans sa langue, et donc autant de problèmes qui se posent à nous en tant qu'écrivains qu'on ne peut pas ignorer. Au contraire, il faut les prendre en charge et faire un travail de réflexion approfondie par rapport à tous ces problèmes qui se posent à nous. Finalement, si j'écris, c'est parce que j'ai plus ou moins une mauvaise conscience par rapport à l'histoire de l'île, par rapport à ce que on a fait de cette île aujourd'hui. Mais en même temps,
je me dis que si problème il y a matière à écrire, matière à réfléchir, donc matière à bâtir une œuvre encore au fil des années. Je crois que la chose la plus terrible pour un écrivain, c'est le moment où il se dit qu'il n'a plus rien à dire. Or, aujourd'hui, à La Réunion, en discussion avec nos autres écrivains, on se constate qu'à chaque fois, à chaque soleil qui se lève, eh bien, on a autant de raisons d'écrire, on a autant de choses à dire, autant de choses à contester également, et peut-être aussi de nouvelles propositions à faire pour l'avenir de ce pays. Ce qui fait qu'en tant qu'écrivain, je me sens totalement concerné par la crise de l'Outre-mer qui a secoué aussi bien les Antilles que l'île de La Réunion, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, l'écrivain que je suis, il se sent engagé dans le social, dans le politique, dans l'économie, dans le culturel et dans les problèmes linguistiques également qui se posent à nous. En fait, je ne me situe pas en dehors de la société, mais je me retrouve de plein pied dans la société réunionnaise avec tous les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui. Alors la question de savoir, est-ce que l'écrivain que je suis doit continuer à s'engager sur le plan social, ou alors il ne doit penser qu'à l'avenir de son écriture, qu'à l'avenir de son œuvre. Je pense que là, c'est peut-être fait à fausse route, parce qu'il me semblerait que se couper du réel pour se perdre totalement dans l'imaginaire, ce serait faire fausse route dans le contexte actuel qui est le nôtre. Je pense peut-être que la meilleure solution, c'est de jeter des passerelles, des ponts entre le réel et l'imaginaire, entre la réalité et ce qu'on voudrait être nous demain, ce qu'on voudrait que La Réunion soit demain, dans le bassin de l'océan Indien, tout proche de Madagascar, des Comores, de l'île Maurice, des Seychelles. Et en fait, je crois que là, nous avons un discours commun à tenir, comment inscrire cette région de l'océan Indien dans la France, dans l'Europe et dans le monde, tout en sachant que, au même titre que les grands pays, la G7 ou la G20, nous sommes touchés également par la crise monétaire et il nous faut tenir compte également de cela. Quelle place accorder à la culture alors que 47% de la population réunionnaise vit en dessous du seuil de pauvreté? C'est aussi une question à prendre en compte et je crois que c'est ce que j'essaie de faire à travers mes romans qui ont un caractère historique, qui ont un caractère social, qui ont un caractère culturel, parce que ce sont ces grandes problématiques qui aujourd'hui traversent toute l'histoire de l'île de La Réunion. La solidarité, en ce qui me concerne, est quelque chose de très positif dans la mémoire où les îles, d'une façon générale, sont liées à un imaginaire. Et qui dit imaginaire dit évasion, dit rêve, dit des possibilités d'invention, des possibilités d'imagination, des possibilités de créativité extraordinaires pour l'artiste de façon générale, pas seulement pour l'écrivain, mais aussi pour le peintre, le musicien et celui qui s'intéresse à la danse également. Donc du point de vue esthétique, l'insularité, à mon avis, offre des possibilités d'innovation immenses. Mais en même temps, il faut bien admettre qu'aujourd'hui, le concept de l'insularité est quelque peu bousculé du fait qu'on appartient, on vit dans une île, mais en même temps, de par les médias, à chaque seconde près, on est dans le monde, on sait ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, l'insularité serait plutôt une prison dorée, éclatée, ouverte sur le monde à tout instant. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment vivre une insularité dans sa propre île.
Et je crois que, en fait, c'est la question de soi, la question d'une conscience de soi par rapport à un espace défini. Et on revient, en fait, à une sorte de concept d'insularité qui serait non pas lié à un espace extérieur à l'écrivain, à l'artiste, mais à un espace intériorisé. Et en fait, c'est au fond de soi qu'on va rechercher cette insularité, c'est-à-dire cette solitude si importante pour la création. Et à partir de là, de cette identité nouvelle qu'on va créer en soi, on va pouvoir aller vers l'autre, quel que soit l'espace occupé, quel que soit le pays, quelle que soit la nation d'ailleurs, à partir du moment où cette insularité, cette identité, cette capacité à inventer, à innover, à créer, cette capacité, on la porte en soi. Elle est définitivement en nous, et peut-être c'est ce qui fait la richesse de l'insularité. Ce qui est en nous, eh bien, on ne peut plus l'évacuer, on ne peut plus l'oublier. C'est présent et ça participe au présent. Ça participe à l'écriture au moment où on écrit, et à ce moment-là, l'insularité devient une richesse pour tout individu qui vit dans une île. Yeah.